Je vous propose de reprendre et d'accueillir Pierre Pinon. Pierre Pinon, architecte, historien, professeur honoraire à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, va nous parler d'Adolphe Alphand et de Georges Eugène Haussmann. Alors, des deux ingénieurs des ponts et chaussées qui ont assisté Haussmann pour les grands travaux de Paris, Eugène Belgrand et Adolphe Alphand, les principaux, le second répond à une implication personnelle importante sur son domaine. C'est le seul, parce que, certes, Belgrand a eu un rôle fondamental dans l'alimentation en eau de Paris, notamment avec l'aqueduc de la Vanne, mais il n'a fait que réaliser un projet dont Haussmann était très fier. Finalement, ce n'est pas un projet très original. Je ne cherche pas à dévaloriser Belgrand, pour lequel j'ai beaucoup plus de sympathie d'ailleurs personnelle que pour Alphand, parce que il se trouve que j'ai passé mes vacances pendant 30 ans ou 40 ans à côté d'une des sources de l'aqueduc de la Vanne, à Villeneuve-sur-Yonne, à la source de Cochepie, qui avait déniché Belgrand, qu'on l'a rappelé d'ailleurs ce matin, qui a une œuvre scientifique assez importante. Il a travaillé beaucoup sur la géologie et l'hydrographie de Lyon. Belgrand s'est beaucoup impliqué dans le nord de Lyon. Donc j'ai des relations personnelles plus importantes avec Belgrand qu'avec Alphand. Mais Belgrand n'a fait que réaliser un projet dont Haussmann était le plus fier d'ailleurs. Haussmann, sur l'ensemble de ses travaux, on retient aujourd'hui pour Haussmann, et essentiellement ce sont ses percées, hein. Il est célèbre pour ses percées, pour ses 70 percées dans Paris quand même, ce n'est pas rien. Mais en fait, la chose dont était le plus fier, c'était d'avoir alimenté Paris en eau de source, de l'eau fraîche et de l'eau fraîche et pure, dit-il. Donc je cite Haussmann, la dernière œuvre capitale, selon moi, de mon édilité. Hein, c'est l'œuvre dont il était le plus fier. Mais l'œuvre d'Alphand est plus originale, puisqu'on lui doit deux bois, Boulogne et Vincennes, trois parcs, Monceau, les Buttes-Chaumont et Montsouris, deux jardins, 19 squares, d'innombrables places et avenues plantées. Les principales sont de véritables jardins, étant l'avenue de l'Empereur, le boulevard Richard Lenoir ou l'avenue de l'Observatoire. Tous ces éléments sont d'une grande nouveauté dans la ville. Je pense que l'œuvre d'Alphand est extrêmement originale. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y avait comme jardin public dans Paris avant le Second Empire ? Pratiquement rien. Alors il y avait bien sûr beaucoup de jardins particuliers, surtout des folies dans le quartier, par exemple, de la Chaussée d'Antin. La Chaussée d'Antin était un énorme jardin avec des jardins, des hôtels particuliers magnifiques, qu'on appelait des folies. Mais c'était des hôtels privés où il y avait, bien sûr, le jardin dans Paris. Il n'y avait finalement de public que le jardin du Palais Royal ou alors des petites choses dans des lotissements comme le petit square au milieu de la place François Ier, des choses comme ça, des choses tout à fait secondaires. Donc Alphand a fait la connaissance de Georges Eugène Haussmann à Bordeaux quand celui-ci a été nommé, on l'a dit ce matin, de le préfet de la Gironde en 1851. Dans ses mémoires, le baron Haussmann parle ainsi d'Alphand. Alphand, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, l'habile constructeur du quai vertical de Bordeaux, l'homme de goût dont j'avais remarqué le talent d'organisateur et de décorateur. Alors bien sûr, on a beaucoup plus de témoignages d'Haussmann que d'Alphand, parce que Haussmann a écrit ses mémoires en trois volumes. Donc Haussmann s'est construit sa publicité lui-même, à tel point qu'on en a oublié l'importance de l'œuvre de ses prédécesseurs. Je dis ça un petit peu entre parenthèses, mais si vous voulez,
la gloire d'Haussmann est un peu usurpée, il faut dire. Je n'ai pas d'animosité particulière pour Haussmann. J'ai même écrit un petit livre qui va sortir au printemps prochain qui s'appelle « Le mythe Haussmann », où je fais le bilan des bêtises qui ont été dites pour ou contre Haussmann. Donc j'essaye d'avoir un point de vue objectif sur Haussmann. Mais il est vrai que Haussmann a complètement oublié tous ses prédécesseurs qui, à partir de 1845, il y a tout un tas d'ingénieurs, de notables, de personnalités très différentes qui, à partir de 1845, donc plusieurs années avant son arrivée au pouvoir, ont décrit son programme, finalement. Donc, d'ailleurs, je précise aussi également, parce qu'on a cité pratiquement Napoléon III à aucun moment ce matin, ce qui est quand même étrange, parce que tout ce qui s'est passé, que ce soit du domaine d'Alphand, de Belgrand ou d'Haussmann, tout vient de Napoléon III. Parce que quand même, la personne qui a voulu tous ces grands travaux, que ce soit des jardins ou l'alimentation en eau ou les percées de voies nouvelles, tout ça, c'est l'œuvre de Napoléon III. Mais c'est l'œuvre de Napoléon III, il faut bien le dire, donc, qui a récupéré la pensée, moi, de ces gens que j'ai appelés les notables des années 40, des années 1840. Napoléon III a récupéré les idées de tous ces gens-là qui sont aujourd'hui totalement oubliés, que j'ai essayé de réhabiliter dans mon ouvrage sur le mythe Haussmann. Ces gens-là, non, genre, j'ai cru un moment qu'ils les avaient simplement lus, parce que ces gens ont beaucoup publié, mais j'ai découvert aussi, en dépouillant la revue municipale, parce qu'il y avait sous le Second Empire une revue municipale qui était essentiellement une revue d'histoire de l'urbanisme. C'est original, hein. Ça s'appelait la revue municipale. Et j'ai découvert en lisant la revue municipale que Napoléon III a reçu tous ces gens dans son bureau. Il est allé même avec eux visiter les différents quartiers de Paris. Il est allé visiter la montagne Sainte-Geneviève, les différents quartiers. Donc Napoléon III s'est énormément investi dans toutes ces sortes de travaux. Donc il a parcouru Paris avec ses théoriciens des années 40. Alors, Haussmann a fait la carrière d'Alphand, très officiellement, puisque en 1860, il l'a nommé responsable de la 4e section du service municipal des travaux publics de la ville de Paris, qui s'appelait Voies plantées et promenades. Puis, en 1869, il a nommé inspecteur général et directeur des services de la voie publique et des promenades et plantations. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, à la demande d'Haussmann, Alphand accepta de quitter Bordeaux, de devenir en quelque sorte jardinier. Celui-ci lui confia, en tant que directeur du service des promenades et plantations de Paris, la transformation du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, des Champs-Élysées, avec la création, comme je l'ai dit tout à l'heure, des parcs Monceau, des buts de Chaumont, de Montsouris, d'innombrables squares distribués dans toute la ville, portés jusqu'aux fortifications. Enfin, la plantation de la plupart des plus importantes voies publiques. Alors, il lui adjoint Gabriel Daviau, architecte, dont Haussmann dit que j'allais chercher dans le service de la voirie et dont j'aurai lieu, à l'occasion du service d'architecture et des beaux-arts, de signaler les œuvres bien autrement considérables que des maisons de garde, chalets, restaurants et autres élégants édicules qu'il a prodigués dans les bois de Boulogne et de Vincennes, dans nos parcs intérieurs et dans nos squares. Et il a donc recruté Gabriel Daviau et Jean-Pierre Barrier-Deschamps, bien sûr, dont on a déjà parlé ce matin, horticulteur de premier ordre, que je fis venir de Bordeaux, à agent d'exécution, plein de talent et de goût pour le côté paysagiste de ses fonctions multiples. Haussmann ne présente pas Barrier-Deschamps comme un horticulteur non plus, il le présente pour son talent, disons, de paysagiste. Haussmann, donc, a consacré dans ses mémoires un petit chapitre à Alphand et a retracé sa carrière. Alors, je cite Haussmann. Aujourd'hui, il écrit en 1890, ses mémoires, « Mon ancien collaborateur, devenu depuis des années inspecteur général de première classe, puis grand officier de la Légion d'honneur, dirige presque tous les services de la ville de Paris. » Et Haussmann dit, la citation a été déjà donnée ce matin, c'est le véritable préfet de Paris. Hein, c'est,
C'est donc Haussmann qui parle en 1890. Mais Haussmann, qui est toujours condescendant, hein, faut dire que c'est un des côtés les plus désagréables de Haussmann, voilà comment il présente Alphand. Alphand avait cette vertu, bien rare chez les fonctionnaires et en général chez tous les hommes hiérarchiquement subordonnés à d'autres, vous voyez, il souligne que c'est un subordonné, hein, qu'il les ait acceptés pour chef, volontairement ou non, de savoir mettre de côté ses propres conceptions, complètement, loyalement, sans aucune réserve, lorsqu'elles ne cadraient pas avec les vues de l'administration qu'il servait. Dans ce cas, il s'assimilait avec facilité, une facilité merveilleuse, les idées qu'il devait adopter, si différentes qu'elles puissent être les siennes, pour s'en inspirer désormais, et toujours il en poursuivit l'application pratique avec une fidélité consciencieuse et avec un zèle absolument irréprochable. Cette grande qualité chez un fonctionnaire de sa valeur était d'autant plus méritoire que l'esprit d'initiative ne lui faisait pas défaut. Il l'a trouvé nombre de fois et depuis, ses actes l'ont bien suffisamment démontré. Oui, il termine par un compliment, mais enfin, il insiste bien sur le fait qu'Alphand était son subordonné. Alors, Alphand, outre la direction des promenades et plantations de Paris, s'impliqua plus personnellement dans certains travaux, comme de rendre carrossables les voies du bois de Boulogne, qui ne l'étaient pas, aménager avec Belgrand le lac de Gravel dans le bois de Vincennes, et de planter le boulevard Richard Lenoir. C'est dans ces projets qu'Alphand s'est impliqué personnellement. Alors, c'est imposé avec Jean-Pierre Barrier-Deschamps aussi, donc Alphand et Barrier-Deschamps, dans les parcs et les squares de Paris, un genre nouveau pour les jardins publics, mais pas pour les jardins privés. Parce que là, il y a une très grande nouveauté dans les jardins publics d'Alphand et de Barrier-Deschamps. Alors, Haussmann est explicite, il définit ainsi les squares, espaces plantés sur toute la surface de la ville où les classes ouvrières puissent employer sainement une portion des heures de repos interrompant leur travail et toutes les familles, riches ou pauvres, trouver des emplacements salubres et sûrs pour les ébats des enfants. Alphand ne dit pas autre chose. Les jardins publics et les voies larges et plantées où l'air circule librement sont absolument nécessaires dans l'intérieur des villes sous le rapport de la salubrité. Alors à côté de l'hygiène, il ne faut pas tout de même oublier une volonté d'embellissement, notamment chez Haussmann, qui avait une esthétique, on ne peut pas lui enlever, ce n'est pas une esthétique très originale. En fait, Haussmann a une esthétique d'ingénieur des ponts et chaussées. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, parce qu'il y a une esthétique des ingénieurs des ponts et chaussées, notamment depuis le début du 19e siècle. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont aussi des artistes. D'ailleurs, à l'école des ponts et chaussées, c'est un cours qui a disparu, je crois, vers 1830. Mais antérieurement, il y avait des cours d'architecture et des cours de paysage et des cours d'esthétique à l'école des ponts et chaussées. Donc les ingénieurs des ponts et chaussées étaient véritablement des artistes. Et il y a, moi, ce que j'appelle une esthétique des ingénieurs des ponts et chaussées qui est tout à fait respectable, que l'on voit sur la beauté de nos routes tracées, de nos routes nationales en France, que l'on voit sur tout un tas de choses qui sont leur œuvre. Donc ce n'est absolument pas péjoratif. Mais voilà ce que dit Haussmann dans ses mémoires. À propos des broderies de plantes à feuilles et leurs fleurs diversement colorées qu'il critique, de telles mièvreries ne méritent pas de servir de modèle. Cependant, elles menacent d'envahir un peu les jardins de nos jours. Nos jardiniers s'efforcent d'enrichir les uns et les autres par l'habileté qu'ils apportent à la réalisation des œuvres que leur imagination décorative en travaille. Donc il a essayé de... Haussmann partageait l'esthétique tout à fait d'Alphand. On peut supposer que c'est Haussmann, avec son esprit de système, hein, qui a mis en place l'hiérarchie, qui est la suivante, qui est bois, jardin, square, plateau planté sur les places, plantation d'alignement. C'est ainsi que la ville est en quelque sorte quadrillée, si vous voulez, par des espaces verdoyants à chaque échelle de la ville, les bois aux quartiers anciens et nouveaux, les squares et les voies nouvellement percées. On peut se poser la question
quelle conception fut adoptée pour ces nouveaux jardins. La mode, certes, depuis la fin du XVIIIe siècle, était pour les jardins pittoresques, irréguliers, donc on appelle communément à l'anglaise. Mais ce qui était imposé pour les jardins privés était-il applicable aux jardins publics ? Longtemps, l'administration française fut réticente devant l'aménagement des grands espaces, selon un système qui rendait la surveillance policière difficile. Parce que la différence, d'ailleurs, on le voit bien, je le citerai tout à l'heure, à certains jardins dans les quartiers populaires, des squares ont été faits à la française. Parce que quand il s'agit de surveiller policièrement un jardin, c'est beaucoup plus facile dans un jardin à la française que dans un jardin à l'anglaise. Donc la police se méfie des jardins à l'anglaise. D'ailleurs, sous le Premier Empire, les jardins du Pincio, à Rome, qui étaient alors chef-lieu du département français du Tibre, je rappelle qu'il y a eu un département du Tibre qui a fait partie de l'Empire français, dont Rome était le chef-lieu de département, il y avait donc un préfet à Rome, furent aménagés donc par un paysagiste, Louis-Martin Berthaud, qui a eu un rôle extrêmement important dans beaucoup de domaines au début du XIXe siècle, qui a aménagé notamment des choses pour Napoléon Ier. Il a aménagé ce jardin du Pincio à la française pour cette raison, alors que la mode était au jardin à l'anglaise depuis des décennies. Donc aménager un jardin à la française au début du XIXe siècle, c'est complètement paradoxal. Mais c'est le choix qui a été fait pour un jardin public. Mais à Paris, dans cette seconde moitié du XIXe siècle, le jardin à l'anglaise s'imposa sans qu'il soit besoin de justifier ce choix. En effet, j'ai pas trouvé trace de débat. Bon, je suis pas spécialiste de l'histoire des jardins, donc il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais j'ai pas trouvé trace de débat pour savoir si les squares parisiens s'ils devaient être à l'anglaise ou à la française. Apparemment, le style dit à l'anglaise, c'est imposé. D'ailleurs, Alphand loue les courbes des allées qui s'harmonisent avec les ondulations du relief qui font que le paysage, je cite Alphand, le paysage change à mesure que l'on se déplace. Voilà, c'est l'intérêt que Alphand trouve au jardin à l'anglaise, c'est qu'on a des paysages différents à chaque pas. La seule différence qu'il établit avec les jardins privés est que les allées doivent être plus larges et plus nombreuses et les espaces doivent être plus étendus entre les plantations. Car il faut compter, parmi les aménagements d'un parc, l'animation que produisent les groupes de promeneurs. En fait, les parcs sont inspirés des folies privées, mais qui étaient ouvertes au public. Tout à l'heure, je n'ai pas cité l'exemple précisément, mais il s'agit du... Il y avait comme ça un espace, un jardin qui était public, c'était le célèbre jardin de Tivoli qui se trouve à l'emplacement de la rue de Londres. Aujourd'hui, on a percé la rue de Londres à l'emplacement de ce jardin de Tivoli, donc était au départ un jardin privé, donc qui était à l'anglaise, bien sûr, comme tous les jardins privés, c'était la mode à la fin du XVIIIe siècle, mais qui était public, qui était ouvert au public. Mais il s'agit souvent encore d'inscrire un jardin à l'anglaise dans un cadre à la française. L'avenue de l'Observatoire en est un exemple, ne serait-ce que parce qu'il s'agissait de prolonger la grande allée du jardin du Luxembourg. En fait, les genres de plantations s'adaptent au lieu. Pour les squares de Charonne et des arts et métiers, ce sont des quinconces classiques qui sont retenues, c'est-à-dire pour les quartiers populeux où ils sont très fréquentés. Car, comme vous le disiez tout à l'heure, donc on adapte le style de jardin à l'anglaise ou à la française selon les quartiers. Et donc, dans les quartiers populeux, où une police est davantage nécessaire, on fait des jardins à la française. Voilà, merci. Des questions à Pierre Pinon. Oui.
Juste une petite, un petit souvenir. Dans ses mémoires, Haussmann renvoie quand même un petit compliment sympathique à Alphand en disant « Il a fait mentir le proverbe qui veut que tel qui brille au second rang s'éclipse au premier. » Ah oui, d'accord. Oui, c'est un petit commentaire pour prolonger ce que vous disiez à propos de la police dans les jardins. Je pense qu'il y avait même de la police dans les jardins à l'anglaise. Évidemment. Ah oui, il y avait de la police aussi, évidemment. Mais elle était plus difficile à tenir. Voilà, mais je me souviens d'avoir lu le règlement du parc du Thabor à Rennes, qui était un des plus beaux jardins publics de France, où tout était interdit. C'est-à-dire qu'en gros, on avait le droit de marcher sur les allées, mais surtout, et il faut le rappeler, on fait des jardins à l'anglaise en France, mais les pelouses sont interdites, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, justement. Ouais, bien sûr, et donc, sûr, il y a une espèce de discipline, discipline des gens au respect du jardin en restant sur les allées, et les enfants n'ont pas le droit de jouer. Oui, alors sais. Ça, je ne sais pas si c'était le cas partout, ou s'il y avait des espaces verts de l'époque où on encourageait les enfants à jouer. Mais dans celui-là, c'était interdit. Bah là, quand même, Sman cite les ébats des enfants, quand même. Alors donc, ouais. Encore une remarque, Pierre Firminon, c'est que vous avez, à juste titre, insisté sur le rôle de Napoléon III dans toute cette affaire. Je signale au passage que le Hermann Henry von Pückler-Muskau, qui est un grand créateur de jardins en Prusse, principalement, dans le grand jardin de Bad Muskau, qui était à cheval sur la frontière polonaise. Écrit, parce qu'il avait beaucoup écrit, monsieur, c'était un monsieur très riche, qui s'est ruiné 3 fois, enfin bon, je vous passe, pour créer ces jardins, mais des jardins privés, de très grands jardins privés, et connaissait bien Napoléon III, le futur Napoléon III, avant le coup d'État. Quand l'armée prussienne a attaqué la France en 70, enfin bon, c'est elle qui a finalement attaqué quand même, il voulait venir, ce vieux monsieur voulait suivre la progression des armées prussiennes, mais en même temps, il disait, si jamais, il dit dans une remarque, si jamais Napoléon III est finalement au chômage, en quelque sorte, je veux bien l'embaucher comme jardinier parce qu'il est très fort. Il est très fort comme jardinier.